Le livre d'Osée, chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Que puis-je te faire, Éphraïm? Que puis-je te faire, Juda? Votre attachement est pareil à la nuit du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. C'est pourquoi je l'ai frappé par les prophètes, je l'ai tué par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Comme Adam, ils ont violé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galaad est une ville de fauteurs de troubles. Elle porte des traces de sang. La troupe des prêtres est comme une bande en embuscade. Ils commettent des assassinats sur le chemin de Sichem. Oui, ils se livrent au crime. Dans la communauté d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue. Israël se rend impur. Pour toi aussi, Juda, une moisson est préparée quand je ramènerai les déportés de mon peuple.